Très bien. Bonjour. Bonjour YouTube. Pour cette rediff qui normalement a l'air de fonctionner. J'ai regardé la première rediff, ça a l'air d'être bon. J'espère que vos retours seront bons. De retour sur Astro's Playroom. Un jeu très feel good comme on dit. Hein. Franchement, ça fait trop plaisir. T'as envie d'acheter des actions PlayStation là? Vas-y, j'ai envie d'acheter tous les accessoires. Même celui-là. Ou surtout celui-là. Allons dépenser nos pièces au gacha avant de trouver une autre zone. J'ai très hâte de visiter la zone PS2. Mais toutes les autres zones me plaisent. Il y a la zone PS1, PS3. Une pièce de puzzle. Une pièce de puzzle. Un petit truc. Un autre petit truc. Ah, c'est quoi ce logo? Il me dit quelque chose. L'arrêt de la PS2 ou 1. Moi, je me souviens du T-Rex de la PS1. Mais... Ah, c'était la démo du PS1, ça. Il y a l'accessoire aquarium. Nouvel artefact. Et c'est... Growick Va 115. Merci beaucoup pour ton quatrième mois. Appareil photo numérique PSP. Ouf. Ça existait, ça? 1,3 mégapixels, s'il vous plaît. PSP 300. Invisimal. Je connais pas. C'est genre Pokémon Snap, mais en vrai. Ok. Ah, j'ai pas ça, moi. J'ai ma PSP fat. Entièrement craqué, bien sûr. PS Vita, mais je n'ai pas d'accessoires. Lose. Bon, y a tout un tas de logos. Ah, c'est peut-être des... Ah, ça doit être les essais de logos de la PlayStation. Ah, je les avais jamais vus. Très bien. Brimstorming. Toi, t'as trop l'habitude. Ok, il me reste plus que 15 pièces. Et du coup, les artefacts se posent, les pièces se posent, et on va aller dans une nouvelle zone. C'est quoi l'artefact qu'on avait? Ah oui, l'accessoire. Voilà, j'ai eu un lag. C'est peut-être du PC que ça vient. Ok. On t'entend pas. Bah, je sais pas, tout le monde... Personne disait ça. Apparemment, le son de la musique était bon. Ah, c'est quoi ça? Le son de la musique était bon. Le son de la musique était bon. Vous avez atteint un nouveau sommet. Nouvelle course disponible dans place du CPU. Moi, c'est coloquinte. Non, mais après, je peux bouger un petit peu. Peut-être que c'est le micro qu'il faut augmenter un tout petit peu. C'est important qu'on ait le bon réglage. Mais c'est vrai que sur la première heure, là, personne disait rien. Ça avait l'air d'être bon. Non, CPU, c'est là. GPU, c'est... là. Là, on est sur la place du CPU. Non, c'est bien GPU depuis tout à l'heure. Ouah, c'est dense, là. Excusez-moi. Je n'ai plus l'arc.
Donc c'est en bas que ça a débloqué un truc. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais avec une détermination sans faille pour découvrir un artefact incroyable. Non. Boing. Ok, pièce de puzzle. Ça fait un peu le parcours de combattant, ouais, Oh bon dieu! De Ratchet. Speedrun. Tout m'y fait penser. Parce que là, on attend la ref, hein, mais... Non, mais on aura la ref avec, avec les deux persos, quoi. Oh, y a un truc en face aussi, hein. Ah bah voilà. Je sais pas jusqu'où on va, mais on y va. Oh merde. Ne pas tomber, ouais. Ouais, parce que là, j'ai recommencé tout. Concentrons-nous un minimum. Coucou. On dirait une imprimante là. Vous connaissez pas l'imprimante PlayStation? Super accessoire pourtant. Ok, donc on a eu 3 pièces de puzzle en venant jusqu'ici et même pas un petit artefact. Cet effet de flou. Comme la Game Boy Sprinter, ouais. Ouais, ça sort de derrière la PlayStation, mais il y a souvent des bourrages papier, c'est chiant. Merci, Pure Playsta. Déjà 8 mois ici, je repars dans l'ombre, merci beaucoup. Bon, je pense pas avoir raté autre chose sur cette petite grimpette. Je sais pas si je peux aller... Il m'emmène forcément là-bas. Yeah! Ah, mais il y avait le fil pour me protéger. Bon, où est-ce qu'on va? On va dans le SSD? Oula. Où est-ce qu'on va? De la RAM? Il y a l'air d'avoir de la neige. Où on va dans... N climatisante. Il y a une musique aussi dans le SSD. Je vous propose la N climatisante. La ref est dans le monde rouge, je crois. De toute façon, on va tous les faire. Hein. Ah, carte mère, mort de rire. Ah, ça souffle ici, là. Oh, il a une petite bouée. Wow. Tu
petite vibe vacances Mario Odyssey ou Sunshine là. C'est parti. God of War, ouais. Ça la vénère. Bref, Fortnite, bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est la ref Lilo et Stitch. C'est Sony, hein, Lilo et Stitch. Fuck les oiseaux. Ah, nous serions... Ah non, j'ai cru que c'était la manette PS2. Nous sommes dans la zone PS3, a priori. Assis à 6, 106 axis. Ah oui, il y a le bouton. C'est pas la manette PS2. Lilo et Stitch PS5, quel bonheur. Ah, il y a des gens qui sont là depuis un moment, ouais. La musique est bien là. Oh. Ah, c'est quoi ce jeu? Comment il s'appelle? Non, pas Slime Rancher, non. Oui, Loco quelque chose, Loco Roco, c'est ça. Vraiment un connard, moi je tape tout le monde. Déco Roco. Regardez-moi cette petite bouée là, en forme de manette. Il nous faut ça pour cet été, hein. Clairement. Oh! Moi! Moi! Attends, il est où le bouton moi? Putain, mais il y a une animation pour chaque perso, quoi. Parce que là, il y a l'animation où elle récupère sa fleur et tout. Il ou elle, d'ailleurs. Non, ma canne! J'en ai une autre. Oh, regardez, j'avais pas vu que la bouée, c'était le format UMD de la PSP. Enfin, sa bouée ou sa planche, là, je sais pas trop. C'est UMD, non? J'ai un doute en le prononçant. Juste pour ça, je veux la PS5. Enfin, franchement, il est très cool. Hein. Surtout pour un jeu démo comme ça, tu te dis « Oh ouais, ils ont fait une petite démo pour montrer un petit peu tout ce qu'ils ont. » Et en fait, c'est énorme, quoi. Le travail derrière est énorme, en tout cas. Il y a un truc, là. Hop. C'est bon. Yeah.
Ouah, les dauphins robots là. Mais où sont les pingouins magiques? Waouh waouh waouh! Dis donc toi. Waouh le jackpot! Ah mais j'avais pas vu que c'était un petit robot balayette, le crabe. Ça me fait penser au petit robot dans Wall-E là qui nettoie tout. Go se refaire Wall-E là, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Y'a un avion qui écrit un truc. Lui là-bas? Ah mais regardez, il y a encore des coffres dans les arbres. Ah, il y en a plein des avions en fait. Ah non là! Waouh, bah alors c'est écrit petit hein. Que voici une nouvelle caméra. Caméra PlayStation Eye. Alors, mais oui, mais c'est la caméra de PS3, ça. Alors du coup, moi c'est pas ça que j'ai l'Eye-toy. Thank you for playing? C'est pas ça qui a écrit? Je crois que c'est ça. Hein. Alors ça, c'est un jeu qu'on m'a proposé plusieurs fois de faire. Un truc PS4, ça. PlayStation, thank you for playing. Concrete Genie, c'est ça, j'allais dire Genie Concrete, mais un truc comme ça, quoi. Du coup là on a les deux artefacts mais il manque deux pièces de puzzle. J'ai peur qu'elles soient dans cette zone et que si je continue, si je quitte la plage. Ah bah voilà. Et l'autre est là, ok. Fuck la faune. Ah! Trop de détails dans ce jeu, trop de détails. On en a sûrement raté plein alors qu'on en a vu une tonne. Est-ce qu'on peut éclater ça là. Oh, mais pas sur eux! Oh, laisse tomber. C'est une courte durée de vie du Concrete Genie là, ou Genie's Concrete.
Ah, ça avait l'air pas mal, mais je crois que c'est sorti dans une période où j'étais pas ouf. C'est sorti quand? Bon, je pense que j'ai tout eu là. Salle climatisante, là ça déconne pas. Oh. Oh. Mais regardez-moi ces canards en plastique. La petite sirène. Ça me fait trop rire. Est-ce que c'est pas d'extrême bon augure pour Ratchet? Franchement. Fuck les bouées! On va s'éclater sur Ratchet. Hein. Cherche sa miniature, exactement. C'est exactement ça. Oh! Sort quand Ratchet? Le 11. Alors ça c'est une ref, mais je ne connais pas. Princesse Goinfre. Y a pas un jeu comme ça, Fat Princess, ouais. Bah ça doit être ça. Ça doit être ça. Je sais pas ce que c'est Fat Princess, mais je connais le nom. Pour le moment, je pense que ce sera Day One, Ratchet, oui. Station climatisante. Un seau au spa. Ils sont en train de se doucher, là, pépouze. Et on regarde ça. Voilà. Allez-y. Oh, je peux aussi me doucher. Attendez, avant de prendre un potentiel costume là, est-ce qu'on n'aurait pas raté quelque chose? Bizarre qu'il n'y ait rien eu dans la grande piscine là, mais bon. Oh là 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 là! Ouais, c'était sûr ça. Encore une fois, les gâchettes sont ont une résistance différente là pendant cette phase. Niap. Ah non 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 non. Ok, ok, ok. Trophée PS5 avec Fat Princess. Non, pourquoi il n'y en aurait un? Enfin, il n'y en a plus, pas pour les autres refs. Tu penses qu'il faut la nourrir plusieurs fois?
En même temps, là, je peux pas revenir en arrière. Hein, je crois. Mais c'est possible, en vrai, c'est vrai. À droite. Ça avance bien ces puzzles là. On est à 3 sur 4. Par contre, on a aucun artefact. T'as plus le GPU dans la tête? Ça va revenir, t'inquiète. Cause I'm do it for you. GPU. Toujours crevette gold. Tout va bien. On prend beaucoup de plaisir là sur ce jeu. Tout va très bien. La capture, le live se passe bien. La rediff se passe bien. Et le jeu est excellent. Franchement, c'est dimanche. Waouh. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Accessoire de tir de précision PS Move. Waouh, regardez tout ça, là. C'est... ce genre d'accessoire, j'avais pas, moi. Un allié de la résistance. Pour le moment, le 100% est plutôt valide, hein. Sauf les potentiels trophées. Mais le 100% in-game, en tout cas. On a tout, quoi. En même temps, c'est pas un jeu très difficile. Voilà, je mets les patounes dans l'eau. Regardez les gens danser de l'autre côté. Putain, faut aller où, là? Parce qu'il y a des passages de partout. On va aller ici. Ah, artefact. Alors ça, c'est plus petit, hein. C'est le criquet infernal. Tire PS Move. Arrête ou ma manette va tirer. C'est plus petit, mais comme on dit, hein, c'est... enfin, vous savez, c'est pas la taille qui compte. Vous savez, quoi. Cette blague, hein, on la connaît depuis bien longtemps. Ça, je l'avais. Ah ouais? On dirait un sèche-cheveux, un petit peu, ouais. Vous avez déjà montré mon sèche-cheveux? Je sais pas si... oui, je vous parle de mon sèche-cheveux. Vous ai-je déjà parlé de mon sèche-cheveux? Merde! Ah, ok, je gère pas trop. Même pas du tout. C'est une arme comme dans Total Spy. Ah, mon sèche-cheveux, c'est un pistolet en tout cas. Mais je crois qu'il est cassé. Attendez. J'ai bien tout eu là. Parce que là, on va arriver dans une autre zone, je pense. Station climatisante, banquise exquise. Ah, mort de rire. Une ref à Mario Kart, bien sûr, ouais. C'est ça. Évidemment. Tu sais, les connards qui ont rien compris. Mais je reconnais ces Zelda.
Trop bien cette PlayStation. Oh. Comment tu as eu une PS5? J'ai payé le prix fort. J'ai pas d'astuce plus que la moula pour le coup. J'ai craqué et payé le prix fort. C'est quoi qui grimpe là-dedans là? C'est des bouts de glace. Oh! Ouh, ça souffle. Ils se sont donnés hein, sur ce jeu. Moi, j'aime beaucoup. Regardez-moi ces petits pingouins. Avec les ventilos sur les côtés. Vas-y, bouge, t'auras plus froid. Alors, j'imagine qu'il faut éviter d'aller dans l'eau. Ah, les décors sont vraiment cool. Artefact. Manette de navigation PS Move. Ils en ont fait des accessoires. Imaginez quand on va être dans la zone PS2, et PS1 d'ailleurs, une petite carte mémoire. 8 mégabytes. Wouah, 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 attention. Glissade détectée. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est pas Until Dawn? Si, c'est ça. Je pense que c'est Until Dawn, ouais. Mais je n'y ai pas joué, donc je peux pas confirmer. J'ai juste vu un petit peu. Point, point, point. Nouvel artefact. Jeu PS3. Le grand Blue. Botcharted. T'embête pas qu'on ait cassé ton truc, toi? Ma foi! Destructeur de rêve, ouais. Il a pas l'air revanchard. Attention à ne pas rater quelque chose. On a quoi du coup là? On a les deux artefacts, mais on a que une pièce sur 4 de puzzle.
Ouais, vous faites des refs Nintendo à chaque pièce là maintenant. Insupportable. Oh, ça va, hein, vous faites pas des refs Xbox, ça va. Enfin, qui a une Xbox, franchement? Pourquoi acheter une Xbox? T'as tous les autres jeux sur les autres consoles, non? Y'a des exclus Xbox? Ouais, doit bien y en avoir une ou deux, hein, mais... Putain, personne n'est aggro par ce troll facile. Ma pièce! Ma pièce! Tout est sous contrôle! J'ai jamais eu d'Xbox. Personnellement. Quand il y avait un jeu exclu Xbox, il était aussi sur Windows, donc... moi, ça me convenait comme ça. Ok. Doucement, doucement, doucement. J'ai laissé une pièce. C'est bon. N'oublions pas... les pièces pour le gotcha. Il y a peut-être deux exclus, genre Halo, Forza. Mais Forza, c'est aussi sur PC, non? Halo aussi d'ailleurs, non, maintenant. Je sais pas, moi. Je m'y intéresse pas, donc... J'ai essayé le Xbox chez des gens, le Kinect n'est pas aussi bien que le marketing le laisse penser. Fable, c'est pas exclu Xbox? Non, je l'y ai joué sur PC. Oh là là, attendez, attendez. Oh là là! En fait, exclu Xbox, ça veut dire, ouais, exclu PC... exclu Windows, quoi. La strat de Microsoft, c'est d'unifier le catalogue Xbox et PC. Leur truc principal maintenant, c'est le Game Pass. Mais le Game Pass, c'est cool, apparemment. Voilà, attends, je souffle. Ah d'accord, non, c'est bon. Maintenant que c'est soufflé... Ok, tout s'est très bien passé. Je pensais que ça allait être... Oh! Alors là... Excellente la ref. Elle est trop marrante celle-là. La porte. Le chargement des portes. Hôtel du Ventilo. Oui, mais... on a tout? Ouais, on a tout. Ok, dernière zone, Hôtel du Ventilo. On a tout. Excellente youtubeuse, bien sûr, mais on a déjà fait cette blague. C'est quoi ce jeu qui se passe dans l'eau? Où t'es dans une cage? Écrivez pas Subnautica, s'il vous plaît. C'est la démo du PSVR, ça. Ah oui? J'ai pas de PSVR. Imaginez jouer R7 sur PSVR, quoi. Ah, le retour de ça, d'accord.
Je vais y arriver. Hein. Tu m'as fait peur, fan de jeu. Tu parles d'écho le dauphin. Moi, j'ai cru que le micro avait un problème. Là, j'étais sur le point de tout cancel. Ok, ça bug. Attendez, il y a un problème. On annule. J'ai pas le temps de regarder les décors, là. Ok, il faut grimper là-dessus. Sois pas stressé comme ça, tout se passe bien. Moi, je suis stressé. Moi, jamais je stresse. Jamais. Badge, calmez-vous. Je suis très calme. Oh non non. Tout ça pour ça. Okay. On va y arriver. En fait, c'est le meilleur endroit pour farmer les pièces, c'est pour ça, je préfère refaire ça. Voilà. Papapapapam. Tiens, on n'a pas eu de ref à Sly d'ailleurs. Oh là là. Vous savez ce que je vais faire, hein. Non. Est-ce que vous savez ce que je vais faire? Je pourrais jamais casser celui qui est là-bas. On pourra pas tout casser en fait. Oh si! Comment tu veux qu'on casse ceux qui sont là? Je peux pas. Non mais même en tombant ça... Ce fun cancer. Ça se trouve, il y a un trophée avec, faut vraiment le faire, mais. D'ailleurs, je vois des trophées partout. Plus de recul. Peut-être, écoutez, je ne sais pas, mais ce n'est pas... Ce n'est pas grave! Ah non, mais c'est la suite, là.
Ah merde! Doucement. Et bien voilà, Botoroko, un UMD de PSP, se trimballe un joli casier. Ouais, je vois des trophées qui sont morts. Ok, Sérieusement? Ultra mini 10, tiens je sais pas ce que ça voulait dire UMD. Oh. J'ai cru que le plafond allait me tomber dessus. Universal Media Disc. Ah, dis donc, il a pas été très universal, le média disque, hein. Voilà. Ok. Eh oui. Oh les embrouilles, oh les embrouilles. Pas facile, facile hein. Je pense qu'il faut pas récupérer les pièces tout de suite, faut simplement aller au bout. Donc, ne nous focussons pas sur les pièces. J'ai dit on se focus pas sur les pièces. Vous avez vu le trigger là? Vous avez vu le trigger? Les pièces que j'ai déjà récupérées, elles tournent pas exactement en même temps que le reste. Et voilà, une magnifique PSP, le fun au creux de la main, la PSP FAT. Très bonne console en tout cas. Ah regardez, l'eau est partie. Mais est-ce que j'ai assez de hauteur pour récupérer ces pièces? Aïe 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 aïe. C'est bon. J'aimerais l'avoir la PSP. Oh, ça se trouve, hein. C'est pas très cher en plus. Champion du tirage d'oreilles Eskimo. Parce qu'on a tout obtenu. Ah, on est à la fin là. Il manque plus que la PS3. Yes! Cache BBS, ouais, c'était sur PSP. Vous avez entendu ce démarrage de PS3 là? J'ai pas eu le temps de voir. Sly peut-être, oui. Ouais, c'est vrai, le coffre, ouais. J'ai pas eu le temps de voir. Peut-être qu'il faut que je recule. Ah ouais.
trois soleils. Non, ok, ça marche pas. Comment il s'appelle ce jeu de musique là? Trois la danse. Je me souviens du design mais je me souviens pas du nom. Parapa. Guitare héros, putain, vous saoulez. N'oubliez pas les paroles. C'est insupportable. Je suis à deux doigts d'arrêter ce stream. N'oubliez pas les paroles. Oh. La miniature. Ah non, mais la miniature avec le pingouin en plastique. Friday Night. Oh, regarde-moi cette fat PS3 là. Celle qui lisait les jeux PS2 et PS1. Les graphismes en HD. Interagir. Oui, bonjour, je suis la PS3. Bref. Je fais pas de blagues, moi, je suis pas quelqu'un de marrant. Donc, j'aurais pu vous dire une blague, mais... De retour au labo PlayStation. Poète. 2006. Putain, mais pour moi, la next gen, à chaque fois, c'est tout ce qui est après PS3. C'est resté comme ça dans ma tête. PS3 plus, c'est next gen. Hein. Attendez, on va regarder les artefacts, mais d'abord. Un petit peu de gacha. Same. Ah bah tu vois. Ça c'est quand ça charge et que ça te saoule. Point. Perdu. Une pièce de puzzle. Deux pièces de puzzle. Alors ça vient justement de là où on venait. Posé dans la piscine. Là, c'est un stream hot tub, ça. Ils ont mis la catégorie... beach, hot tub and swimming pool. Et là, ça stream, là. Je pense que si vous donnez... Là, tout de suite, si vous vous subez là, maintenant... Je pense que quelqu'un inscrit votre pseudo sur son bras. Son bras, bon perso de Overwatch, bien sûr. Bref, on avait dit pas de blague. Je suis pas quelqu'un de marrant. Catégorie beach. Mais pas beach. Beach. C'est pas pareil.
Ok, y'a plus de money. Oh, tab et bitch. Putain, je me suis fait piquer par un moustique sur la cuisse, quoi. Ça y est, ils sont sortis. J'y pep. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Butcharted. Regardez-moi ces reflets. RTX. Ah! Est-ce qu'il y a mon nom sur ton bras? Ah, je crois pas. En plus, j'ai pas dit que c'était sur mon bras. Allumer la PlayStation. Ah, il y a du reflet, mais ça ne reflète pas les artefacts. Ça reflète la salle, mais pas les artefacts. Bip. C'est vrai que Maximum t'as offert des subs à plein de monde et tu te resub, tu t'es pas sub. Enfin t'as perdu ton sub quoi. Soyez pas généreux. Ah mais c'est c'est là l'autre là. Le machin là. J'attends que vous le disiez. Voilà, Beyond Two Souls. Soyez pas généreux, soyez gêné. C'est ça que le mobilier. Fan de jeu qui offre un sub à Maximum, merci beaucoup. Ah bah tiens. Ces bruits là. C'est tout ce qu'on a eu, non? Après on a eu des trucs mais ils sont en haut. On peut pas les atteindre. Vous sentez venir le chemin qui descend petit à petit là? Et tu peux grimper dessus? Ouais, ouais, ça sent bien le parcours, ouais. Et niveau pièces de puzzle, où est-ce qu'on a eu les trucs PS3 là? La fresque, elle est stylée, hein. HD World. Le PS Store. Le câble HDMI. Regardez, il est trop fait. On a un morceau de PS Vita là. Merci Maxime. Ça va être stylé une fois rempli à fond. Bon, et bien voilà, on a terminé la PS3. Il nous reste donc PS2 et PS1. Mais on va faire une pause pour YouTube, bien sûr. On se retrouve dans la prochaine partie pour aller explorer. Je crois qu'il y avait le SSD. Et j'ai déjà oublié le dernier. Donc YouTube, merci d'avoir suivi cette partie. On se retrouve pour la suite très bientôt. Des bisous à toi. Bye bye. Et n'oublie pas, GPU, I do it for you. Effectivement.